11 septembre 2001. Les attentats de New York détruisent les tours jumelles, entraînant la riposte de l'armée américaine en Afghanistan. 20 ans plus tard, le 11 septembre 2021, les derniers soldats étrangers devraient avoir quitté le pays. Durant deux décennies, quatre présidents américains ont dû gérer la présence de leur armée en Afghanistan au cours de la guerre la plus longue que les États-Unis aient jamais connue. En mai, un sommet organisé par la Turquie, le Qatar et les Nations Unies à Istanbul, visant à faire avancer le processus de paix en Afghanistan, devrait poser les jalons d'un pays sans présence militaire étrangère. Retour sur ces 20 ans d'histoire. Ce seront les premières images traumatisantes d'un 21e siècle tout neuf. Après les attentats du 11 septembre, le gouvernement Bush réplique. L'armée américaine et ses alliés débarquent en Afghanistan et délogent les talibans alors au pouvoir à Kaboul. Les États-Unis leur reprochent d'avoir servi de terre d'accueil à l'organisation terroriste Al-Qaïda pour organiser son attaque. 11 weeks ago, our country was attacked. Ils sont balayés en l'espace de quelques semaines. Moins de trois mois après les attentats, les accords de Bonn entérinent la chute des talibans et mettent en place un gouvernement afghan intérimaire. Hamid Karzai en prend la présidence le 22 décembre. Personne ne songe alors à inviter les talibans, défaits, à la table des négociations. De longues files d'attente à l'entrée des bureaux de vote. C'est l'image que l'on retiendra du premier scrutin présidentiel de l'histoire afghane. Le 9 octobre 2004, Karzai est confirmé comme président de la République islamique d'Afghanistan lors des premières élections présidentielles du pays. Au même moment, les talibans se réorganisent et commencent à devenir de plus en plus entreprenants, surtout au sud et à l'est. Alors qu'il y a un processus de démocratisation en cours, qui est chanté par la communauté internationale, en fait, ça veut dire qu'une partie de la population afghane, les Pashtuns ruraux du sud et de l'est, ne se reconnaissaient pas dans ce processus. Et les talibans, c'est ça qu'il faut vraiment insister, c'est pas un mouvement militaire. Ils représentent quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, un segment de la population afghane. Le jeu démocratique, c'est d'accepter même les gens avec lesquels on est dans un désaccord profond. On peut pas faire la paix sans les talibans. Ce sera le début d'une guerre sanglante opposant le nouveau gouvernement afghan soutenu par les forces militaires étrangères et les insurgés talibans. En 2009, Karzai est réélu mais avec de lourds soupçons de fraude massive. C'est un tournant dans le rapport qu'ont les Américains au pouvoir de Kaboul. We have calculated 1.5 million suspicious/fraudulent votes. En 2009, les Américains, je pense qu'ils ont cessé de faire confiance à Karzai. Joe Biden, qui était très impliqué en Afghanistan, il avait un dîner avec Karzai en 2009 ou 2010, il s'est levé au milieu du repas et il est parti. Et donc là, il y a eu une espèce de rupture presque émotive en Biden autour de la figure du président qu'il considérait comme illégitimement élu. Comme si le processus démocratique que les Américains avaient accompagné avait été trahi par le président. La présence militaire américaine en terres afghanes prend alors l'ascenseur pour atteindre un pic au début des années 2010. Il y a eu jusqu'à 100 000 soldats américains en 2011 sous Obama. Obama était le grand, disons, va-t-en-guerre américain en Afghanistan. C'est lui qui a vraiment injecté énormément d'énergie en Afghanistan au niveau militaire. Il est arrivé justement à 100 000, c'était le nombre de soldats de l'armée rouge dans les années 80. En 2014, Obama change de politique et annonce un retrait partiel des troupes. The longest war in American history will end. La même année, de nouvelles élections présidentielles donnent Ashraf Ghani vainqueur. À nouveau, les soupçons de fraude sont lourds et son opposant Abdullah Abdullah refuse de reconnaître les résultats. Ils ne sont annoncés publiquement qu'après 6 mois de négociations. Une défaite pour les Occidentaux. On voit que le processus démocratique, qui a été soutenu vraiment fortement par la communauté internationale, à la fois logistiquement et financièrement, il n'a pas abouti à créer une légitimité politique du gouvernement afghan. Et c'est ça la vraie question. C'est comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que les talibans, face à cette armée, soient si résilients. C'est parce qu'eux ont, malgré tout, et même si on ne veut pas l'admettre, une forme de légitimité que l'État afghan n'a pas. En 2019, pour la première fois, des négociations s'ouvrent entre les talibans et les États-Unis. Un accord est signé le 29 février 2020. Donald Trump, alors président, promet de retirer ses troupes au 1er mai 2021 à une condition. Les talibans doivent s'assurer que l'Afghanistan ne servira plus de base à des attentats contre les États-Unis. If bad things happen, we'll go back. En parallèle, ils s'engagent à entamer des négociations avec le gouvernement de Kaboul pour une sortie de guerre. Des négociations qui débutent en septembre 2020 et qui piétinent depuis. Le 13 avril, Joe Biden, fraîchement entré en fonction,
annonce un retrait définitif des troupes avant la date emblématique du 11 septembre 2021. Et ce, sans condition. Vous savez que le soldat américain en Afghanistan, c'est le soldat le plus cher de l'histoire humaine. C'est 1 million de dollars par année. Donc il y a aussi une question de coût. Ils ne sont pas capables de maintenir cet effort sur le long terme, surtout maintenant avec les priorités que Biden a adoptées au niveau de la politique interne, de la politique sanitaire et autres. Ils ont besoin d'argent. Un départ coordonné avec les autres forces étrangères présentes dans le pays. Du côté afghan, certains ressentent cette décision comme un abandon. Les femmes en particulier craignent pour leurs droits en cas de progression des talibans au détriment du gouvernement de Kaboul. D'autres temporisent. Déjà, Kaboul, c'est un gros morceau. C'est une ville de plusieurs millions d'habitants, avec une jeunesse galopante qui n'a jamais connu le régime des talibans. Il faut penser que des jeunes de 18 ans, 20 ans, ils n'ont jamais été sous les talibans. Ils sont pleins de vie, ils sont connectés par les réseaux sociaux au monde entier. La Kaboul d'aujourd'hui, ce n'est pas la Kaboul de 96. Donc les gens qui disent que ça va être comme en 96, moi sincèrement, pour des raisons purement sociologiques, je n'y crois pas. En mai, Istanbul doit accueillir un sommet pour la paix, co-organisé par la Turquie, le Qatar et l'ONU, qui devrait faire avancer les pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans. Des négociations d'autant plus compliquées que les diverses factions qui s'affrontent dans le pays dessinent une toile de conflit très complexe qui dépasse de loin la binarité entre gouvernement d'un côté et talibans de l'autre. Ce que je trouve dommage dans les discussions actuelles, on parle de pourparlers de paix, etc. Mais ce qui manque en Afghanistan et ce qui manque depuis 250 ans, c'est un vrai contrat politique de ce qui fonde le vivre ensemble. L'Afghanistan n'a pas de récit fondateur, à part un récit fondateur, je dirais, défensif. C'est d'avoir résisté contre les pouvoirs coloniaux. Déjà au XIXe siècle contre les Britanniques, ensuite contre les Soviétiques et maintenant contre les Américains. Ça, ce serait un peu le récit fondateur de la nation afghane. Mais si on regarde, est-ce qu'il y a un récit fondateur qui vient, disons, de l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que, non pas on est tous contre les mêmes ennemis, mais on est tous ensemble par rapport à des valeurs qui sont partagées? Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été adressé, je dirais, après 2001 et qui a des racines très profondes.